Bonjour. Donc nous allons continuer dans cette deuxième partie à travailler avec ces fonds que nous avons réalisés dans la première partie, des fonds en noir et blanc. Et donc nous allons jouer la carte du noir jusqu'au bout avec cet art journal, ce black journal, toujours de Diane Ravelli pour Ranger. J'aime beaucoup la qualité. Alors, ce que nous allons faire, c'est créer une mosaïque. Une mosaïque, et nous allons créer un dégradé du clair vers le foncé. Donc pour créer une mosaïque, il va falloir couper tous ces papiers. Et voilà, nous avons maintenant des petits bouts. Alors, des longs, des courts, des clairs, des plus foncés, des très travaillés, des moins travaillé, vous voyez, ça c'était ce qui me permettait de nettoyer les pochoirs, l'intérieur des pochoirs avant de passer à l'impression suivante. Voilà, j'ai alterné toutes sortes d'impressions que j'ai faites dans la première partie. Alors, nous allons travailler de l'ombre vers la lumière. En termes de construction, en général, on considère que le futur va plutôt vers la droite, va plutôt en montant. Donc pour aller de l'ombre vers la lumière, on va aller de la gauche vers la droite. Ce qui signifie que ma mosaïque, je vais la construire de la droite vers la gauche en allant en pointe. On est parti ? Voilà, nous avons sensiblement notre construction. Je vais maintenant coller chacun des carrés. Nous allons maintenant accentuer les effets à l'aide de poudre à embosser blanche, de gesso, mais également à l'aide d'encre noire, de pochoir et de tampon. Je vais désormais accentuer cette petite zone-là avec du noir. Alors, j'ai écorné un petit peu des petits carrés en les accrochant parce que j'ai collé ça très rapidement et de façon très légère. Mais finalement, je vais accentuer cet effet. Je l'aime bien. Donc, je prends de la Versafine puisque nous sommes sur du papier ordinaire que je n'ai pas passé ni glossy ni gel médium sur le dessus. Donc, je vais continuer avec ce petit tampon de fond que j'ai utilisé ici en blanc. Eh bien, je vais l'utiliser cette fois-ci avec du noir. Alors, je ne mets pas de l'encre partout,
C'est volontaire. C'est pour donner un effet un petit peu fondu. Donc je passe le doigt pour donner un petit côté un petit peu dégradé. Je le laisse sur son blister pour l'avoir bien droit. Le blister me permettant de savoir à peu près la parallèle des lignes. Voilà, je vais maintenant ombrer en noir la zone qui est censée être la plus claire. Et inversement, je vais ombrer en blanc la zone qui est censée être la plus foncée. Ça permet de donner un cadre à l'ensemble. Il est toujours bienvenu de mettre des petites projections de gouttelettes de gesso. Il me reste à ajouter une petite citation que j'ai trouvée dans ce carnet tout juste reçu de Art by Marlène. J'adore son univers. Donc j'ai trouvé deux citations qui conviennent parfaitement à mon projet. Only look back to see what you have achieved. On va du passé au futur, de l'ombre à la lumière. Fais en sorte que cela arrive. Make it happen. Voilà, ma page est à présent terminée, mes titres collés. Au cas où vous seriez absolument réfractaire au noir et blanc, j'ai réalisé exactement le même montage sur l'une des pages que nous avions réalisées sur la première partie avec les cadres en couleur. Donc nous avons également le triangle et la même construction. Voilà, à bientôt!